Mamadou Bilo Diallo est un natif de la sous-préfecture de Kakoni, précisément du district de Bouléré. En 2018, ce ressortissant du secteur de Moé a entrepris la construction d'un centre de santé communautaire pour soulager le calvaire des citoyens qui parcourent de longues distances pour se faire soigner à Gawal ou à Télémilé. C'est la mort brutale de son frère Mamadou Boy Diallo, âgé de 25 ans, suite à une morsure de serpent qui a été l'élément fondamental qui a poussé Mamadou Bilo à entamer la construction de cette structure sanitaire. Mais récemment, il a eu un accident de travail en Allemagne et depuis lors, le chantier est à l'arrêt par manque d'argent. Mamadou Bilo Diallo sollicite l'aide de l'État et des bonnes volontés pour l'achèvement des travaux. Piongo to mihebuno. E piwe ko miyata tawata. Wuli na nobena de moja. Nyende go. Minyira wa modubi no gai e jui. Mumi hauti baba ware. Mbodi ngatu no moka amendo. Sagata hatu do. Yutiro kanjombata. Paindi ngati modo. Ojeta onaba. Sous-préfecture. Vous voyez, sous-préfecture. Sous-préfecture à Mengo Kakoni. Taï, et d'ailleurs, quand nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons wandenya ndeko satta ni migon gila mi mandi horan ko pigi dini minani ko satti la ngurnda ndan wandenya nda nyande mi yuno sonna jo kadi kamen do himo redi ha o hewdi ko jibinta o fuddi jibingo tay o tenali labutane ala o wada e bongi ko yedata ko labutane tay o mayi padido pigi di me bal ka hor leedi do ko satti yam ko sabu di do di mi darne wala tan ko mi ittu yimbe am ngen ndo no yo ndire so mboji puy ko mi waata ko tawata mi do manni kono dido didi tawata ko suddi ben sonjoto fi labtan do kon fi jibingol maya lutta e reedu tawata ndang andani hore an nokker go no wodi kanda nda hore ma taw reedu debbo yana ta na fi o jilluta e jibingol wande nyala ndo mi hebuta Allah awa nyande kum pay kum nyira ngamen do fi jini men bora no de nyande pi buy kono ko dori Allah go dala wa hay ko dum wanno hamidi sindi dum ko 2011 wadi mi wakili mi dari dubi joy kami wondo mi darna ciurun hay gotum mi wada fus kasare ando kono mi ni do mi darno suudu mi nata e der mayru mi walo ma mi nata nena be walo mi darno e taw suudu ka julbe Allah be nyawndo ndika bibbe miskin be heba ka wona ara nyawndo ndika bobo e aliyati ma we ara nyawndo ndika debbo redu jara bitota ko do seppal 75 km fi yawgo ndaru go redu golle den do ha ga mi fewndi do ninini mi banti ciudi didi mi nyapidi mi wadi si basman e tamurundo en fuu no bantu go miri kono kam golla no don golle anden mi hebi asdan asdan on tay mi bande kan waata goldu do mi waaka goldu goldu bi tati e nder din don dubi tati wata gollugol tawata ko mi hebata kon ko be wata lan kon wata lan hejjidi mi hande kade e golle de mi ari gollugol do de mi ardo mi kutu kutu ni moja fi no dum do gasira kono e Allah subhanahu wa ta'ala ne nalta ko do fe on do ni mi fewndi hare mi darni e suudu don operation watte don e laboratoire on ko wonata don do ngo mi gayni e biroji fi visiter be ben kabe non do asina woni ko arda visiter e salle de tante dum don kay wano sambour ji jeego e salle de tante woni jeddi dami wadi sambour tati e biroji joyi
donc à des lani ara mi harewti ka nyaputi no luti non pijibui wada makon luti pijibui misal mini ka CNRD on me de welta ni be fop mi do tori be kalande ma musi do an ginenjo hewtu do video do manano o video do hara lantori mo ballal mo ko juude mo hewta da ka hore fino dun do gasira hara lantori musibe an julbe be an fop jentibe be lambe en nano be lambe hara lantori be faabo be waltu lan dun do lan hara ko na lannite de do kon fi mudum na intérêt personnel mi da be da ko intérêt personnel mi darna en suudu kam mi wonno to mi wura to fala dun lan walita de wo kala butane hebi wa contact de et site guinematem.com so contacti ben don be wa wayla ngabe illa ko wona dum la marka ni numéro téléphone kuna rek burata lan ko welde ko be contacti ben don noddi lan be wallito lan be fofno baybe do kat ko wala go be wallita golla hare numéro an on lan jogi mo ko 625 85 55 80. La population du district de Bouléré est estimée aujourd'hui à 11 000 personnes et celle du secteur de Moyen où se construit ce poste de santé compte 3 500 habitants. Modi Brema Sori Diallo est le chef secteur de Moyen. Il a impuissamment assisté à des cas de décès occasionnés par l'absence d'une structure sanitaire dans son village. Comme un wanido, kokolabutane mo o sort changame guido ame. Won men fa borde haray men bay o ari do holli men dum men fo men weltino kono goddo na faale mu on hebata ko Allah nyaay bo haray men tori on ono yeso be amen be sokola amen on fewndo do fi wano le wano labtan do gasira haray men tori on faabo kono men faadira dum fewndo do on yaay goddo mboddino ngatimo de yoronde do hawta gawal ma telimile hara o mayi ma reddu be fuddo jibinde do de yoronde do haton hara o mayi ma pay ko ndiyam mu maaji jamulanna do de wiye ha nden ronde hara de hewte ton hara mayi e de balde do goddo rondam ari ha ko amen do e der kawtal ba men do wondo jibinde kono bay labrano no wodi ko ronda ko o mayi hara men sokoli fi o labutano wano gasira hara men tori on faabo men tori faabo jama on fop e ono yeso be amen ben. Les femmes et les enfants du district de Bouléré sont ceux qui souffrent le plus du manque de structures sanitaires dans leur localité. Kadiatou Diallo est l'une de leurs porte-voix. Kotinaw meden fuddi labutane on joni non kalike himen tori lamungo e sorti sangame yaltu be ben hiyo be faabo men be wallitomo be gayni tano men labtane fudda don himme sonji ka nawnaaje himme sonji mojjano bay nawnaare no jongi e nawnaare wiyetende fetinde dum foko angal labtaneji dim woni men wadde dum wobbe no mankude ndiyam manke man ndiyam do e men hewto ka labtaneji dim wonto ara wobbe ndiyam dallanni wobbe no mankude jiijam deno ne men hewto e gawal tawa on tigi mayi dum foko angal labtaneji dim woni men sonjude wobbe no mayude hara ko woddi ko deno hewto ya tawa lernati ka ontigi mayata jonas tay kaka bati ayaltay kama tunata won Allah day sabu. Le secteur de Moyen, situé dans le district de Bouléré, est distant de la sous-préfecture de Kakuni d'une dizaine de kilomètres. Mais l'état de dégradation de la route constitue un véritable calvaire pour l'évacuation des malades, d'où l'achèvement et l'équipement de ce poste de santé entamé par le fils ressortissant du territoire, Mamadou Bilo Diallo, sera bénéfique aux citoyens.